Tu es en carême, non? Mange. Qui te regarde? Quand on est en carême, on ne mange pas. Ça va? Mais j'étais à la mosquée, je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais ici pour rentrer regarder ton téléphone? Toi là, tu t'es toujours dit de prier. Maintenant tu fais carême, tu ne fais pas prier. C'est quel genre de carême ça? Comment Dieu va accepter ton carême? Lève-toi pour aller prier. Oh. Ah, alors Yazena, tu es là? Non, je suis là. Aja, j'ai préparé ta nourriture préférée. Je t'ai apporté un peu. Mais comme tu es en carême, là, c'est pas mieux que tu déposes ça et après rupture, tu apprends nous bien. Sois menée. Merci beaucoup. Hein. Je t'en prie. Hein. Vraiment, c'est gentil de ta part. Que Allah te bénisse. Amen. D'accord. Tu fais quoi comme ça? Tu veux laisser la nourriture se refroidir? Mange. C'est quoi? Tu fais carême, d'accord. Mais qui te regarde? Personne ne te regarde. Même Dieu, tu ne te regardes pas. Donc tu peux manger. Tu es en carême, non? Pourquoi tu manges? Quand on est en carême, on ne mange pas. Pourquoi tu fais comme ça? Tu ne pries pas. Ton mari te dit de prier, tu ne pries pas. Et c'est toi qui manges en plein carême. On ne mange pas en plein carême. Tu ne fais pas la prière. Ton mari te dit souvent de faire la prière, tu ne fais pas la prière. Tu penses que c'est bon? Il y a une adage qui dit, la bouche qui fait carême peut manger aussi. Aïe, mon père n'a pas écrit ça dans le Coran. Hein. Tu as lu ça là où? Qu'est-ce que tu fais? Des rêves ou quoi? Ça sent full life. Tu manges. Tu es en train de manger. C'est fini, hein? Tu ne veux plus parler. Tu vas ramasser tes bagages pour quitter chez moi. Je vais appeler ton oncle là, il est ici. Aladji! Ça sent full life. Ne la regarde pas. Elle te provoque. Tu sais que tu es en carême. Même si elle a fesse. Ça, tu ne vois pas ta voisine? Regarde ses fesses. Hey! Elle fait tout ça là pour toi. Parce qu'on est dans le carême là. Tu es venu pour m'insulter ou quoi? Aladja, n'oublie pas que tu es en carême. N'oublie pas le mois dans lequel nous sommes. Tu oublies la moitié en Anna. Tu ne vois pas qu'elle est venue pour te provoquer? Insulte-la correctement.